Bonjour, ici iTouch 4 is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Orbit. Alors Orbit, ça sert à naviguer plus facilement dans vos applications, dans vos pages si vous en avez plein. Moi j'en ai 9 mais j'ai le thème Incolor, j'ai fait plein de dossiers, alors ça va. J'ai juste installé pour faire une vidéo là-dessus, voilà. Donc vous, je la conseille de la mettre dans le doc, comme ça c'est plus facile. Ah attends, voilà. Alors elle est là. Si je vous montrer comment on fait pour l'installer dans Cydia. Alors voilà, là ça affiche toutes vos pages. Et ensuite, je clique sur la première, tac, elle toujours le dossier par contre. Et là, il y a la première page qui s'affiche. Voilà. Là, j'étais à la dernière page, j'ai oublié de revenir. Mais je vous conseille de la mettre dans le doc, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on ouvre Cydia. Annuler, rechercher. Alors l'application s'appelle Orbit. Alors je crois qu'elle est payante. Orbit, on recherche. Alors, voilà, ouais, elle est payante. Mais elle est gratuite grâce à la source Dinzanelli. Voilà, c'est que pour les iOS 4 ou plus. Et c'est la version 2.0. Donc voilà, c'est marqué que c'est que pour les iOS 4.0 ou plus. Voilà. Il faut être installé, confirmé. Et ensuite, il y aura une application sur Springboard, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc c'était iTouch 4 is a Pro qui vous montrait l'application Orbit. Merci.